Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Soupone. Nous sommes de retour pour la troisième partie de ce témoignage que nous avons commencé à découvrir. Dans cette vidéo, nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons commencer par une femme qui va nous dire comment l'une de ses tantes est décédée parce que elle a pris l'argent d'une femme morte sans le savoir. Bon, j'aimerais en savoir plus aussi. Donc, écoutons son histoire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche. Laissez déjà vous j'aime et partagez cette vidéo, ça pourrait aider d'autres personnes. C'est parti. Ma tante était éprouvée. Elles avaient perdu l'une de leurs amies. Donc du coup, quand elles vont enterrer, elles sont parties prendre le corps comme on fait ici en Afrique, hein. Vous partez prendre le corps à la morgue. Ensuite, vous emmenez au cimetière pour enterrer, pour déposer le corps à sa dernière demeure. Et quand ils arrivent au cimetière, on fait la cérémonie, on tente de faire la cérémonie. Et quand on tente de faire la cérémonie, la copine de ma tante, qui est avec ma tante là, dit que non, je veux aller me soulager. Donc, je vais aller me soulager. Quand elle va se soulager comme ça, elle va se soulager elle cherche là où c'est un peu caché, près d'une tombe qui va la barrer. Comme ça, elle va se soulager. Et arrivée vers une tombe, elle croise de l'argent sur une tombe. Elle croise de l'argent. Elle dit, ah, comment? Dans un cimetière, sûrement il y a quelqu'un qui a perdu l'argent sur une tombe. Et elle aussi, la dame, elle fait quoi? Elle prend l'argent sur la tombe. Elle se soulage, elle voit l'argent sur une tombe, elle prend. Quand elle prend l'argent, elle cache. Quand elle revient auprès des autres, on a fini d'enterrer, ils ont fini de faire la cérémonie, ils ont coulé la dalle. Ils ont coulé la dalle, ils sont rentrés dans les bus, ils sont repartis. Et quand c'est chez nous aussi, là, souvent, après avoir enterré, après le cimetière, donc vous partez un peu boire dans des bars, quoi. Vous allez partager un dernier pot dans les bars. Ils sont aussi allés boire là-bas, ils sont allés dans un bar, ils ont bu, bu, bu et se sont séparés après vers 18h. Chacun rentre chez eux, chacun rentre chez lui. Donc ma tante est partie à la maison, sa copine aussi est partie. Sa copine arrive à la maison, quand elle arrive chez elle, elle se lave. Quand elle se lave, elle mange. Elle discute un peu en famille, la veille, elle explique comment la veille s'est passée et tout. Mais elle raconte pas qu'elle avait ramassé l'argent sur une tombe. Elle se lave, elle commence à expliquer, la veille s'est bien passée, comme ça. Et c'est quand elle dort, c'est le soir, quand elle dort, elle est en train de rêver qu'il y a quelqu'un, une dame, qui lui dit, remets mon argent, remets mon argent. Quand elle se réveille, elle dit, oh, ça c'est quel rêve que je suis en train de faire, quelqu'un qui me dit, remets mon argent, remets mon argent. Elle gère pas. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quelqu'un qui lui dit, remets mon argent, remets. C'est là où elle fait asseoir son mari pour dire, ah, chérie, regarde, ces derniers temps, je dors pas bien. Chante de dormir, mais au milieu de la nuit, il y a une dame qui vient me dire, remets mon argent, remets mon argent. Et la dame, elle commençait à souffrir un peu des troubles, quoi. Donc, son mari l'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dois à qui? Elle dit, je dois à personne. C'est juste si chante de. Je dors pas bien, je suis en train de rêver. Il y a quelqu'un qui me dit, remets mon argent, remets mon argent. Son état s'était vraiment aggravé. Elle était devenue vraiment malade. Malade des fièvres, elle faisait des fortes fièvres. C'est quand ma tante vient la voir,
On l'appelle, oh, ta copine ici, c'est grave depuis que vous vous êtes rentré de la veillée pour aller enterrer. Depuis ce jour-ci, on dort plus bien. Regarde les rêves qu'elle fait, comme à son fait me dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, la dernière fois qu'on s'est séparés, on était bien, qu'est-ce qui se passe? On doit essayer de prier. Quand tu pries, là, elle a dit, tu es sûr que tu n'as rien? Oh oui, j'ai rien et tout. Elle dit, d'accord, on va essayer de prier, on va aller dans une église où on va aller chercher un pasteur ou un prêtre pour faire la prière. C'est là où qu'elle se souvient. Elle dit, ah tiens, au fait, la dernière fois quand on était au cimetière pour aller enterrer X, quand je t'avais dit que je suis allée me soulager, j'avais ramassé 70 000 sur une tombe. Ma tante m'a dit, ma tante l'a dit, oh, comment ça, toi, tu es partie pour te soulager? Tu connais personne sur la tombe de la personne que tu connais pas, mais tu vas quand même ramasser l'argent. Et elle prend les. Elle dit, l'argent question, tu avais déjà utilisé. Oh oui, j'avais déjà utilisé l'argent, il ne reste plus grand-chose. Ma tante dit, d'accord, c'est quand on doit seulement aller à l'église. Quand ils sont partis chez les prêtres, quand ils sont partis chez les prêtres pour expliquer le problème et prier, c'est là où le prêtre dit que non. La dame qui vient demander son argent, on était venu payer sa dette. Donc il y a quelqu'un qui la devait, qui est venu payer sa dette. Donc toi, quand tu es parti te soigner, tu as pris son argent. Il faut aller remettre son argent que tu avais pris. Faut aller remettre son argent. Et quand le prêtre dit ça, ils ont prié, ils ont prié. Le même soir-là, c'est là où qu'elle était morte. Donc, quand le prêtre a prié, 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 là, il a dit que non, on doit aller faire les cérémonies pour aller remettre l'argent que tu avais pris sur la tombe de la dame, là. Et quand tu reviens à la maison pour essayer de réunir l'argent pour aller le lendemain, aller faire les cérémonies, aller remettre l'argent, c'est là où, le soir, que la dame meurt. C'est le soir, le même soir, quand ils ont quitté l'église, ils sont venus que la dame meurt. Donc c'est pour un peu attirer l'attention des gens, des jeunes filles, hein, d'attirer un peu l'attention des gens. C'est pas bon aussi de ramasser l'argent que tu vois, surtout dans des endroits bizarres, comme dans un cimetière. Tu vois quelque chose, une chaînette, une bague, l'argent, tu vas ramasser. Là où il se passe beaucoup de choses comme ça. Toi, tu vois l'argent, tu vas ramasser. Tu connais pas cet argent a atterri ici. Comment l'argent là s'est retrouvé? Tu te poses même pas des questions. Donc, c'est le vent qui avait emporté ça là-bas. En plus, sur la tombe de quelqu'un que tu connais pas, qui n'est pas quelqu'un de ta famille. Toi, tu prends les 70 000, tu mets dans ta poche. Et voilà maintenant les conséquences. Elle a perdu la vie à cause de l'argent qu'elle est partie ramasser sur une tombe. Donc, c'était un peu ça, bien. Mes frères et sœurs, vraiment, il faut être discipliné dans la vie. Il y a des choses qu'on ne fait pas, surtout dans les endroits comme les cimetières. Si vous passez devant la tombe de quelqu'un, tout ce que vous voyez sur cette tombe-là, pardonnez, laissez ça comme ça. Voire même, ne dites rien, même dans votre pensée. Même dans votre cœur, ne dites rien sur la personne. Ne dites rarement rien, que ce soit quelque chose de positif ou que ce soit quelque chose de positif ou de négatif. Ne dites jamais rien au sujet de la personne qui est, en fait, au sujet de la tombe qui est juste en face de vous. Parce que si vous dites quelque chose, ou bien que vous prenez quelque chose qui est sur cette tombe, vous risquez de vous attirer des problèmes après. Et oui. Et oui. Et vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir. Tu vas voir de l'argent comme ça, déposé sur la tombe de quelqu'un. Ah, mon ami. Même si on dit que ça c'est chaud.
Vraiment, il faut laisser ça comme ça. Il faut vraiment laisser ça comme cela. Parce que même en ce moment-là, même si tu pries, hein, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, faut purifier cet argent. Seigneur Jésus-Christ, faut purifier cet argent. Si Dieu est vraiment bien avec toi, il va te répondre, il va te dire que non, cet argent ne t'appartient pas. Cet argent ne t'appartient pas. Il faut le remettre. Vous voyez? Ne faites jamais ça chez vous. Si vous voyez une bière sur une tombe, la bière là, elle est fraîche. Ne prenez pas la bière là pour boire. Ou. Ne prenez pas la bière là pour boire. Ou bien si vous voyez un diamant carrément comme ça sur une tombe, ah, ne dites pas, oh, c'est le diamant de Dieu, ça appartient à Dieu. Laissez ça là où c'est comme ça. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe après. Ah. Bien, nous allons écouter encore un de nos témoignages d'une histoire du commun. Apparemment, ce serait passé au Sénégal. Écoutons ça. C'est une histoire qui s'est passée là-bas au Sénégal, dans un village, dans un village du Sénégal, que cette personne-là, c'est un ami de mon frère. Parce que c'est son grand-père qui avait léché son père un terre là pour cultiver. Et l'ami de mon grand frère là, il a pris cette terre pour cultiver des oignons, comme ci, comme ça. Et oui. Mais dans cette terre-là, il y avait un grand, grand baobab. Mais le baobab était mort. Il n'y avait même pas de feuilles. Il était mort, 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 mort comme ça. Un jour, il a décidé, son grand-père avait laissé cette baobab là-bas. Son père l'avait laissé là-bas. Il n'a jamais touché. Et lui, il a décidé un jour de mettre en feu cette baobab pour l'enlever là-bas parce que il a pris beaucoup d'espace, comme ça, comme ça. Mais le jour qu'il a allé prendre de l'essence pour mettre en feu cette baobab, il a mis en feu. Subitement, c'est un chat très noir qui est sorti dans le baobab et c'est parti. Et le baobab est calciné jusqu'à qu'il est calciné, tout calciné. La nuit, il est allé à la maison, il dort. La nuit, il y a un esprit qui s'y apparaît devant lui. Il lui dit, mais pourquoi tu as mis en feu ma maison comme ça? C'est pas un rêve, hein? Il est apparu dans la maison. Et lui, il s'est réveillé, il est à la fin et peur est sorti de la maison. Il a raconté ça à son père, à l'ami de son père. Après, ils ont décidé, ils l'ont dit, pourquoi tu as fait ça? On t'avait dit de ne pas toucher à cette baobab. Cette baobab, il était ici depuis des années, des années, des années. Personne ne l'a jamais touché. Il a dit qu'il a vu que cette baobab était morte là. Après, dans la maison, il habitait là. Tout prenait feu. Tu mets ton habit, il se prend feu. Tout, 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 il n'y a plus rien qui est resté. Rien, rien, rien. Tu mets ton habit. 2 secondes, il prend feu. À la fin, le quartier, ils ont parlé, ils ont dit qu'ils ont fait un peu de, ils ont fait un peu de sacrifice, sacrifice, mais l'esprit l'a réapparu, il a dit, il faut construire encore ma maison là-bas. Après, il a dit, ils ont mis des barbelés, barbelés, là où il y avait le baobab, là. Il a dit, actuellement, ce que je te demande, l'esprit l'a dit ça, que je te demande de mettre chaque jour 3 kilos de mil là-bas. C'est ça, il a commencé par 3 kilos de mil comme ça. Il a commencé à mettre 3 kilos de mil.
Mais le lendemain, quand il vient, il ne voit plus rien. Le mille est disparu. Il commence avec 3 kilos de mille. Des fois, il augmente jusqu'à 20 kilos. Les gens est allé jusqu'à n'avoir plus rien, 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 rien. Il a décidé de ne plus amener rien du tout là-bas. Le jour qu'il n'a pas amené du mille, et sa maison commence à brûler encore. À brûler, à brûler, à brûler. L'esprit est réapparu. Il a dit, actuellement, on va faire quelque chose. Je vais te donner du pouvoir pour pouvoir soigner les personnes. Il faut commencer à soigner. C'est l'esprit qui commande actuellement. Il faut commencer à soigner les personnes. Et lui, commencer à soigner les personnes. Il y avait un ami qui son frère avait un mal, c'était comme un malade mental là. Mais lui, il a soigné. Mais c'est l'esprit qui va le dire. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il fait ça. Et l'homme est guéri. Il a commencé, il est devenu un tradi praticien. Sa maison, il y avait beaucoup de monde. C'est toujours l'esprit qui est derrière. Jusqu'à l'homme, il a dit, il est fatigué, il ne peut plus. Il veut rompre le pacte là avec, parce que ça a commencé avec des mille, 2 kilos de mille, 3 kilos jusqu'à 20 kilos. Comme ça, il a commencé avec des bœufs maintenant pour ce qu'il soigne là. Deux bœufs, comme ça, il te demande deux bœufs. Toujours ça, c'est l'esprit. Actuellement, l'esprit l'a dit, on dirait que tu n'aimes pas l'argent. Il dit non, non, moi j'aime pas l'argent, je veux pas. Il dit non, 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 il faut aller dans cette. Comme ça, il dit, va dans cette rue-là. Il part dans cette rue-là, il voit de l'argent, beaucoup d'argent, il va prendre. L'esprit l'a dit, actuellement, je veux te faire un milliardaire. Un milliardaire, c'est ça que je veux te faire. C'est ça. Après, l'homme s'est repenti. Il a dit à son père qu'il veut plus de cet esprit parce que là, c'est l'esprit qui contrôle sa vie. Il veut plus de cet esprit. Il est allé dans un grand marabout pour partir se soigner là-bas. Mais il a dit, il est parti et le marabout a commencé le travail. Une semaine, le marabout est mort. Il est parti dans un autre marabout. Même ce jour, le marabout est mort. Il a dit non, ça là, ça peut pas être coïncidence. C'est par rapport, et l'esprit, c'est un grand, il était un très, 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 très grand esprit, vraiment. Après, il sait plus quoi faire. Parce que l'esprit, il lui dit de faire ça. Si tu ne fais pas ça, il brûle tout ce que tu as. Même après, quand il travaille avec les affaires de tradi praticien là. Il avait acheté une grosse voiture. Quand il a commencé à dire non, l'esprit a. La voiture s'est envolée. Il a tout brûlé. Tout ce qu'il a, téléphone, tout, il brûle tout. Il faut accepter par force. Donc, voulait exposer. Il y a une émission au Sénégal. C'est comme ce que tu fais, la DMG. Ça, c'est 5 jours, mais ça, c'est des histoires de vie que tu racontes. Il est parti là-bas pour dire, pour un marabout qui peut le soigner, pour sortir cet esprit. Mais il y a là-bas, chaque solution qu'on mettait là-bas, il y a des marabouts qui viennent. Ils disent, oui, je peux le même soigner avec même 0 francs. Et toujours, il y avait des solutions, mais dans ce problème-là, il n'avait plus de solution. Tous les marabouts sont, ils ont dit non, cet esprit-là, non, 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 on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas le sortir. La seule chose que tu peux faire, c'est de vivre avec l'esprit jusqu'à la fin de tes jours. Il va te commander. Ce qu'il va te dire, tu vas le faire.
Mais l'homme, il a dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais il sent que l'esprit, il a commencé avec du mil, des kilos de mil jusqu'à des tonnes de mil, des bœufs, des chèvres. Actuellement, c'est l'humain qui l'a commencé à le demander. C'est pour ça qu'il a peur. Ah, c'est fini là-bas et ça est devenu un problème sans solution. L'homme est resté là-bas. Ils ont dit qu'on ne peut pas avoir de solution parce qu'il y a deux marabouts qui ont essayé de soigner. Ils ont mouru sur le coup. Même pas une semaine, ils sont mourus. C'est une histoire qui était là-bas dans un village du Sénégal. Là où j'étais, mon frère là-bas, c'est un ami de mon frère. Mon frère travaille à côté de là-bas. Après, il m'a expliqué, même aussi, moi aussi, je l'ai entendu à la radio. Vraiment. C'est cette histoire que je voulais t'amener ici et j'espère que ça vous plaise. Merci. Waouh, vous avez entendu ça? C'est rude quand même. Bien, nous allons écouter encore le témoignage, c'est parti. Donc du coup, l'histoire commence avec mon grand-père qui, pour je ne sais quelle raison, a vendu ses propres enfants aux esprits des eaux. Enfin, ses propres enfants, en fait, tous les enfants qui portaient son nom à lui, notamment ma mère. Donc du coup, il a vendu ses propres enfants. Du coup, donc le truc, c'était qu'elle ne devait jamais se marier. Donc ma mère, elle n'est pas mariée. Elle a essayé de se marier. Mon père voulait l'épouser. Bon, mon père l'a épousée. Ça a coûté sa vie. Voilà. Faut qu'on se le dise clairement. Ça a coûté sa vie. En fait, je suis partie. Ça a coûté sa vie. Comment je sais ça? Ben, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, l'histoire prend place au Gabon. J'avais 10 ans. J'avais 10 ans, je ne vais pas trop vous donner les dates ni les noms parce que je ne veux pas que les membres de ma famille me reconnaissent. Du coup, je ne vais pas, déjà avec ma voix, ils peuvent faire un peu le lien, mais ce n'est pas grave, je ne vais pas donner les noms. Du coup, mon père, il décède comment? Bah, c'était juste un matin, il s'est réveillé avec ma mère, il partait au boulot et tout. Mon petit frère, il était en train de pleurer. Du coup, mon père, il a dit à ma grande soeur d'aller s'occuper de mon petit frère parce que ma mère, elle était en train de s'habiller et lui aussi se préparait pour aller au boulot. Du coup, il est parti réveiller ma soeur que réveille-toi, va t'occuper de l'enfant, il pleure. Moi, je suis en train d'aller au boulot et ta mère aussi va au boulot. Du coup, va. Et moi, j'étais encore petite, j'avais 10 ans. Et le jour-là, je pense, j'étais en vacances ou je sais pas. Oui, j'étais en vacances. On était tous en vacances à la maison, à part mon père et ma mère. Du coup, mon père, il part réveiller ma soeur, comme je disais. Quand il réveille ma soeur se réveille, elle part prendre l'enfant et tout. Et ensuite, il part dans la chambre, il trouve ma mère en train de s'habiller et tout. Ça, c'est ma mère qui me raconte, moi, je dormais. Il trouve ma mère en train de s'habiller et tout et tout. Il dit à ma mère. Ah, j'ai un peu mal au ventre, il dit sans langue. Ah, j'ai un peu mal au ventre. Non, à la tête. J'ai un peu mal à la tête. Est-ce que tu ne peux pas aller me chercher les Efferalgan ou la Doliprane là-bas, s'il te plaît? Ma mère a dit, ah, le matin comme ça, tu as mal à la tête. C'est comment? C'est comment tu as mal à la tête au matin comme ça? Mon père dit, ah, je ne sais pas, va me prendre. Ma mère a dit qu'il faisait les trucs, en fait. Comme si, je ne sais pas, juste à cause d'un mal de tête, il se trémoussait, tout et tout. C'est comme ça que ma mère se lève. Elle dit, attends, je vais vite aller chercher les Efferalgan dans le sac. Donc, elle part chercher les Efferalgan. Quand elle revient, elle trouve mon père couché sur le lit avec la mousse qui sort de la bouche. Avec la mousse qui sort de la bouche. Ma mère, elle a commencé à pleurer. Vu que mon père, il souffre. Il avait déjà eu l'AVC. Il avait déjà eu la. Bon, il était tensionnaire, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais en tout cas, il avait la tension. Du coup, il avait déjà fait une crise une fois, mais regardez,
Bon, moi, je ne sais pas si c'est... Mais la fois où il avait fait la crise, je m'étais réveillée. Vous voyez un peu, je m'étais réveillée en entendant les cris et tout. Donc, je me suis réveillée. Et voilà, il dormait à l'hôpital. Moi, je suis restée. J'ai veillé toute la nuit. Je ne sais pas si j'avais dormi. Non, je sais vraiment. Je sais vraiment plus, mais je pense pas. Je n'avais pas dormi la première fois qu'il avait fait une crise. La deuxième fois, donc la fois où il est tombé et tout, qu'il avait mal à la tête et tout, on l'emmène à l'hôpital et moi je dormais, il y avait beaucoup de cris. Ma mère qui pleurait, oh, elle a alerté tout le monde s'est réveillé. Mais sauf moi, je ne m'étais pas réveillée. Vous voyez, je ne m'étais pas réveillée. Et en fait, ça m'a semblé, pour moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça bizarre. Du coup, mon père, on l'a emmené à l'hôpital et tout. Il est allé à l'hôpital. Quand on l'emmène à l'hôpital, on l'a branché avec les machines et tout. Ils ont dit qu'il était dans le coma. Donc, dans le coma, on l'a injecté. Il y a des flacons qu'on injecte souvent pour les gens qui sont dans le coma et tout. Et dans le flacon en question, tu dois juste injecter genre une petite dose. La dame, elle a injecté tout le flacon à mon père. Elle a injecté tout le flacon, je dis bien tout le flacon à mon père. C'était à un hôpital du Gabon. Je ne vais pas dire le nom. C'était un hôpital du Gabon. Du coup, elle a injecté. Donc, c'est-à-dire que si mon père voulait se réveiller, il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus se réveiller. Vraiment, il ne pouvait plus se réveiller. Même s'il voulait, il avait la voix. Il ne pouvait plus parce que la dose, là, c'est pour en fait le truc qu'ils injectent. C'est, ma mère m'a dit, vu que ma mère, elle est infirmière, elle m'a dit que le truc qu'ils injectent, c'était genre pour dormir, pour avoir un sommeil léger et tout. Un truc comme ça, en tout cas. Mais eux, ils ont injecté une forte dose qui permet que, même s'ils voulaient se réveiller, ils doivent juste dormir parce que le truc qu'on l'a injecté, c'était vraiment beaucoup. C'était trop. Ils ont trop mis ils ont mis la dose, quoi. Du coup, c'est comme ça que ils ont déclaré que mon père était mort. Ils ont déclaré que mon père était mort et tout. Ma mère a pleuré, j'ai pleuré. En fait, tout le temps là, je me disais que, mais attends, si je m'étais réveillée, papa n'allait pas mourir. Est-ce que c'est de ma faute? Je me suis toujours dit ça, que, ah, est-ce que c'est de ma faute? La première fois qu'il a eu la crise, je me suis réveillée. Mais pourquoi la deuxième fois, je ne me suis pas réveillée? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tenté de me dire ça dans ma tête. Mais quand je partais dire à ma mère, elle me disait, oh non, laisse, machin. C'est pas de ta faute, c'est juste une coïncidence. Et je dis, non! Quelle coïncidence! C'est pas une... J'étais encore petite, j'avais 10 ans. C'est pas une coïncidence, qu'est-ce que tu dis? Je sais moi-même, je sais. C'était trop bizarre. Je me suis dit, bah non, quelqu'un ne peut pas mourir du dé à cause des maux de tête ou je sais pas. C'est trop facile. Les médecins aussi, ils ont dit avant qu'il ne meure que s'il se réveille, là, il sera paralysé et tout. Mais il y a des chances qu'il se réveille. Je me suis dit, non, c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile même. C'est vraiment trop facile. Maintenant, quand on emmène mon père à la morgue, on amène mon père à la morgue et tout. Le morguer, celui qui garde les corps et tout, il appelle mon père pour dire, il appelle ma mère, autant pour moi, pour dire à ma mère que voilà, le corps de votre mari transpire. C'est ma mère qui m'explique ça maintenant en 2023, là, je ne savais pas tout ça. Ma mère dit, mais comment ça? Comment ça, son corps transpire? Il s'en dit, oui, son corps transpire et tout. Donc vraiment, on ne sait pas quoi faire. Mais normalement, un cadavre ne transpire pas. Donc c'est-à-dire que mon père, il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore mort. Désolé du temps, et ça prend vraiment du temps. Et en fait, là, je suis même pas encore au milieu de l'histoire. Donc je vais essayer de couper encore plus. Donc ils ont découvert. Donc mon père, il n'était même pas encore mort. Mais on l'a enterré. Pour nous, il était mort. On savait pas trop quoi faire. Pour nous, il était mon enterrement. Moi, je ne savais pas tout ça. C'est en 2023, comme je disais, que ma mère m'a dit tout ça. Voilà, on a enterré et tout. Maintenant, ça fait peut-être... On a enterré mon père, c'est qu'il est mort. On l'a enterré, pour nous, il est mort et tout. Ça fait peut-être 3 mois ou 4 mois
que je sentais une présence en fait. Déjà au Gabon, quand j'étais au Gabon, je sentais toujours la présence de quelque chose en fait. Quelque chose en fait me bloquait dans ma vie et dans les rêves que je faisais, je voyais mon père, que mon père la paralysie du sommeil, que ceci, que cela, que ceci, que cela. Donc j'avais un ami qui parlait à un prophète et tout. Du coup, j'ai dit à mon ami, vas-y, donne-moi un peu le numéro du prophète là. Le prophète, il est au Gabon. Donne-moi un peu le numéro du prophète. Je vais un peu essayer de l'expliquer. Ça, peut-être c'est lui qui va me faire voir les choses. Je ne sais pas, mais pardon, donne-moi son numéro. Il m'a donné le numéro. J'ai expliqué au prophète la mort de mon père. J'ai tout expliqué au prophète. Ça fait déjà 10 minutes. Désolée, je vais couper encore. Donc, j'ai déjà expliqué au prophète la mort de mon père et ma situation. Le prophète m'a dit, ton père n'est pas mort d'une mort naturelle, en fait. C'est cet esprit des eaux-là que ton grand-père, il a fait le pacte avec cet esprit des eaux. Et cet esprit-là est dans votre famille. Du coup, ta mère ne pouvait pas se marier, mais comme ton père a épousé ta mère, du coup, ça, ils en fait, cet esprit-là a vu un rival. Un vrai rival, du coup, il a essayé de tuer mon père à plusieurs reprises. Donc, la première fois que mon père a fait la crise et tout, il a essayé de tuer mon père, mais il n'a pas réussi. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il n'a pas réussi. Et comme mon père n'avait pas un esprit fort, du coup, la deuxième fois, ça a marché. La deuxième fois que mon père a fait la crise, ça a marché. Et il voulait, cet esprit-là voulait que mon père ait une mort tellement atroce qu'on l'a enterré vivant. Et c'est ce que le prophète m'a dit. Il m'a dit que cet esprit est vraiment constamment là. Il se fait passer pour mon père dans mes rêves, mais ce n'est pas mon père. Parce que mon père, il était tellement gentil, tellement bon, vraiment. Le prophète ne le connaissait pas, mais il a dit, c'était tellement un homme bon que il ne peut même pas venir et détruire la vie de quelqu'un, machin. Non. En fait, il ne repose pas, mon père ne repose pas en paix, mais il c'est pas lui qui vient dans mes rêves pour me faire du mal et tout. C'est ce que le prophète m'a dit. Bon, maintenant pour l'esprit, on n'a toujours pas trouvé de solution pour lui faire partir. Pour lui faire partir, il est toujours là. Bon, moi je prie, le prophète m'a donné un programme de prière et tout. J'ai fini le programme de prière. Ça fait déjà 2 mois. Je continue toujours à prier. Déjà, je vois l'évolution un peu. Mais je veux vraiment que cet esprit parte, quoi, parce que je me sens pas de vivre avec quelque chose comme ça. Vraiment. Vraiment, moi, je prie Dieu. Je prie vraiment Dieu. Peut-être pas de la bonne manière, mais si vous avez des solutions ou il y a des gens qui ont vécu ça, qui peuvent écrire en commentaire, je vais voir. Parce que franchement, cet esprit, je ne le connais pas. Parce que je suis la seule fille de ma mère. Mon père, ma soeur qui a gardé mon petit frère quand je vous ai raconté et tout, c'est la fille de mon père. Donc moi, je suis la seule fille de ma mère et voilà. Ma mère, elle n'a que des garçons. Moi, je suis la seule fille du coup. J'ai peur que cet esprit-là vienne chez moi parce que je suis la seule fille de ma mère. Et c'est exactement ce que le prophète a dit, quoi. Que voilà. Donc c'était ça mon histoire. J'essaie. Waouh, c'est un truc hors de commun. Vous voyez ça, la vie? C'est grave. Bien, nous allons écouter maintenant l'autre histoire. L'histoire d'un petit sorcier dans une salle de classe. C'est l'histoire d'un petit sorcier dans une salle d'examen. L'histoire m'est racontée par mon oncle, qu'il a vécu personnellement, on s'entend, hein, dans les années 1900 et quelques là-bas. Donc, ils étaient en train de passer le CEP, donc pour entrer, le premier diplôme là, pour entrer au secondaire. Du coup, c'était les épreuves qui commençaient le premier jour. Donc, c'est des enfants. Le CEP, c'est des enfants peut-être de 10 ans, 11 ans. Bon, à l'époque, peut-être 13 ans, comme ça. Donc, dans la salle d'examen, des enfants étaient là. Le surveillant aussi, il était là. Et il a distribué les copies. Ils ont partagé, il a donné les directives aux enfants, remplissez, mettez vos noms, faites ceci, faites cela. Bientôt l'épreuve va commencer. Et les enfants sont là, ils attendent.
il remet les épreuves et l'épreuve commence. À 15 ou 20 minutes de l'épreuve comme ça, le surveillant se rend compte qu'il y a un enfant qui est paralysé. L'enfant est paralysé, il ne bouge plus. Il ne fait rien. Il est sur sa copie, il a la main, il a le stylo, on va dire, sur la copie, mais il n'écrit pas, il transpire. Il est bloqué, vraiment bloqué. Il se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il bouge l'enfant. Il regarde, l'enfant n'a même pas pu écrire son nom. Il bouscule, l'enfant ne bouge pas, il ne se réveille pas. Il observe toute la salle et il y a un petit derrière, celui qui est derrière le petit garçon. Il est en train d'écrire, écrire, écrire. Lui aussi, on l'appelle, il ne répond même plus. Il est juste en train d'écrire, en fait. Et vu que le surveillant, il était initié, en fait. Donc, il connaissait un peu certains trucs. Il a compris ce qui se passait. Il a tapé le petit qui était derrière, qui écrivait. Il a tapé le petit qui était derrière. Il est revenu à lui. Mais l'autre est resté bloqué. Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais à l'autre? Vu qu'il était aussi dans des pratiques lui-même, il a essayé de faire quelques trucs et le petit est revenu à lui. Quand le petit revient à lui, il revient vraiment comme quelqu'un qu'on a réveillé brusquement. Et c'est comme ça qu'il a pris le petit sorcier. Il l'a amené dehors, il l'a amené à l'administration et tout. Ils ont appelé les parents. Ils ont dit que faut plus que ce petit-là revienne. Faut plus que ce petit-là revienne ici parce que si vous avez donné la sorcellerie à votre enfant, ok, c'est entre vous, c'est vous, dans votre famille, mais ne venez pas faire ça aux enfants d'autrui, en fait, qui sont venus là juste pour apprendre. Donc, la conclusion, c'est que le petit, il travaillait avec l'intelligence de l'autre. Voilà pourquoi l'autre était bloqué et lui, il est en train de travailler. Donc, il travaille juste avec l'intelligence de l'autre pendant l'examen. Donc, le petit conseil, c'est juste de vraiment faire attention, de vraiment beaucoup prier, qu'on est en sécurité nulle part. Parce que c'est vrai, nous on peut se dire, ah, on prie, nos enfants sont normaux, mais est-ce que les enfants des autres dans les écoles sont normaux? On ne sait pas qui les enfants rencontrent. Ce ne sont que des enfants, ils ne savent pas. Donc vraiment les parents, de beaucoup prier pour les enfants, de beaucoup demander aussi d'inculquer ces valeurs-là aux enfants, de savoir aussi prier un peu et tout ça. Donc, c'était tout pour mon histoire d'aujourd'hui. Wow! Dites-moi ce que vous en pensez. Bien, écoutons maintenant notre histoire hors du commun. C'est parti. Alors, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, je vais l'intituler Le diable ne fait pas de crédit. Je raconte mon histoire. Nous sommes dans les années 2000, 2008-2009. Maman, à l'époque, avait une très grande boutique, peut-être la plus grande du quartier. Je vais te dire le nom du quartier parce qu'on risque de me reconnaître. Donc, deux maisons après le chenot, il y a un couple de la cinquantaine qui aménage avec les deux enfants. Ils viennent d'aménager au quartier, ils n'ont pas d'électricité, ils ont une maison en carabot, tout ça là, même pas cimenté. Et moi, quand je rentrais des classes, maman, elle entrait en cuisine et puis moi, je restais vendre à la boutique. Tout le temps, quand j'étais toujours à la boutique, les deux enfants du couple venaient toujours chez nous pour acheter le gâteau au chocolat. Tout le temps, ils venaient, tout le temps, ils venaient. Et puis un jour, l'aîné est venu acheter le gâteau au chocolat avec le ballon. Vous connaissez à l'époque là, c'était pas facile d'avoir un ballon. Donc c'est comme ça que je propose de souvent venir avec son ballon au stade, nous allons jouer. Il me dit, ah, il y a le stade ici, il y a le stade. C'est comme ça que je commence à dribbler le commerce de ma vieille pour partir jouer au ballon. C'est comme ça que je l'amène. Chose bizarre, chose curieuse, son petit frère ne me met pas du tout. Je ne sais pas ce que j'avais fait à ce gars, mais il ne m'aimait pas du tout. Avec son grand frère, la relation a commencé à être très très fusionnelle. C'est-à-dire que c'était fusionnel jusqu'au point où, si tu le vois, tu m'as vu.
On marchait toujours ensemble, on marchait toujours ensemble, tellement son petit frère n'était pas d'accord qu'il a préféré aller fréquenter dans un autre quartier, chez son grand frère. Chez un de ses grands frères, parce qu'il avait plusieurs. Son petit frère était le dernier-né. Et le papa avait déjà des grands-enfants, mais il ne vivait pas avec ses enfants, ses grands-enfants-là. Il ne vivait qu'avec les deux derniers. Donc il part vivre chez un de ses grands frères, un village. Pour ceux qui connaissent ce village, tout ça. Donc, la relation devient encore plus fusionnelle quand son petit frère part. On commence à partir à l'école ensemble, on commence à acheter les mêmes chaussures. Hein, voilà, on commence à sortir les filles qui sont copines aussi. Donc, on voulait vraiment être très fusionnel. À un moment, nous-mêmes, on ne cherchait que les jumelles. On cherchait que les jumelles. Déjà, vraiment, ça va être comme la famille, quoi. C'est comme ça qu'un jour, je ne vais pas le chercher pourquoi on part à l'école. Il me dit que, ah, bon, je ne peux pas partir tôt aujourd'hui parce que ma vie est malade. Il dit que, ouais, la vie est malade. Elle a quoi? Il dit que non, depuis le matin, c'est plein qu'elle a mal à la tête. Ah, j'essaie de l'attendre, hein, parce que c'est mon frère, je ne peux pas partir à l'école sans lui. Il essaie de faire tout ce qu'il a à faire parce que son papa, lui, il travaille de nuit. Donc, elle arrive le matin, il était fatigué. Il fallait qu'il essaie de mettre un peu la maison propre, prendre soin de sa maman, faire un petit déjeuner et puis après partir à l'école. Et c'est comme ça que on part à l'école. Quand on rentre, sa maman, ça ne va toujours pas. Des jours et des jours, son mal de tête ne diminuait pas. Et curieusement, il y avait un petit bouton au niveau de son, pas loin de son œil. C'est comme ça que le papa dit un jour que, bon, voilà, trop c'est trop, faut qu'on amène maman à l'hôpital. Qu'on amène la mère à l'hôpital, on essaie de faire, je ne sais pas si c'est le scanner ou c'est la radio, tout ça là. Le médecin demande à la famille comment la maman l'a fait pour aller à l'hôpital. On dit que comment, frère. Alors, on a pris le taxi, on est venu à la marche jusqu'ici. Parce que le gars dit que son cerveau est rongé à moitié. Donc, elle n'a qu'une partie du cerveau. Et que comme c'est là, on ne peut plus rien faire. Mon frère, on voit ça comme la sorcellerie, comme la magie. Comme la magie, mon frère. C'est comme ça que la maladie ne sortira plus jamais de cet hôpital. C'est le corps seulement qui va sortir. 4 jours, une semaine après, la nouvelle arrive au Katiko, la maman est décédée. Oh, tout le cas, tu dis que ouais, la maman là qui était gentille, vraiment, une maman gentille. Je parle comme ça, je suis en train de voir encore son image dans ma tête. Tellement gentille. Moi, je ne mangeais pas les repas des femmes. Okay? Bon, c'est pas que je suis tribaliste, mais je ne mange pas les repas. Je suis un peu. Moi, je ne mange pas moi, trop de choses. Hein. Je suis carré dans ma manière de manger. Mais avec eux, j'ai appris à manger beaucoup de choses, à manger donc cuit, à manger des tout ça, tous les repas là. Et j'ai commencé à aimer au bout d'un certain temps. Donc, c'est comme ça que la maman décède. Voilà. Moi, je ne peux pas voyager parce que je suis encore jeune, mais pas peu parce que je voyage. Mon ami, il voyage avec ses frères et ses soeurs, des plus grands qui n'étaient pas au quartier. Mais ils reviennent au quartier, tous sont rasés, tout ceci, ça s'est bien passé. Et puis après, la vie continue. Il reste avec son papa. Son papa travaille de nuit. Comme je vais travailler de nuit, c'est vrai que parfois il pouvait dormir chez eux, il dormait chez nous. Je dormais chez eux, il dormait chez nous. Je dormais chez eux, il dormait. C'était de telle façon que quand il venait même chez nous, ma mère a donné son plat aussi. Donc son plat était là, servi comme l'enfant de la maison. Quand il vient seulement, il passe mal à la cuisine, il prend son assiette, il mange. Il faisait vraiment, c'était comme le chez lui. Il faisait tout ce qu'il voulait. Si mes pays sont en train de visionner, là, s'ils viennent là, ils prennent la télécommande, personne ne va brancher. Ils disent que non, ce n'est pas le chute. Non, ce n'était pas comme ça. Ah, ce n'est pas comme ça. Donc, voilà, un jour, on achète un petit truc comme ça. C'était appelant, à l'époque, on appelait ça le Walkman, si je ne me trompe pas. C'était un Walkman. Donc, c'était que, comme on avait cotisé l'argent pour acheter ça, je demande avec ça. Un jour, il demande un jour, je demande un jour, il demande un jour, il demande un jour, il demande un jour. Et là, je pense que le coupé décalé commence à chauffer. Et je me rappelle de son là, Arafat, Didi, Opalo, Kamino Roboso, Shem Kourouje, Mesha Choup. J'aimais tellement le son là que, un soir, je devais le remettre ça, j'arrive chez eux. On était couché au gazon, tout ça là. Je dis, bien, champion. Toi, parce qu'il devait composer la semaine, c'était un week-end, je pense que c'était un vendredi soir. On me dit que, ah, champion, toi, tu composes lundi, concentre-toi sur tes études, laisse-moi.
Ma gérée avait le truc tout le week-end, il dit jamais de la vie. Bon, moi, à l'époque aussi, il fallait que chacun montre que bon, c'est moi qui suis le patron du groupe, quoi. Donc, des petites chamailleries commencent, tout ça là, on se met à bagarrer. Je pars chez nous, il prend la matière, vu que le chemin n'était pas très long. Il avoue là son matériel là, qu'on s'était dit que si un jour quelqu'un nous attaque, on va le frapper fort avec le matos là. Donc, moi, il prend ma matière, il prend le matériel qu'on a fabriqué à deux. On veut se couper, hein. On veut se couper. Les gens sont surpris au carton, dit, hé, qui? Les deux s'y bagarraient, c'était la chose qu'on ne pouvait pas s'imaginer, sans savoir que Dieu, comme c'était en train de me préserver de quelque chose. C'est comme ça que quand on nous sépare, je pars plus chez eux, il vient plus chez nous. Chacun dans son coin. Un jour, son petit frère, le dernier né là qui n'aime même pas, vient au quartier. Son papa, quand il finit la visite, son papa lui donne la moto. Ils sont pas les moto. Il dit, ok, il va accompagner ton petit frère au carrefour. Tu reviens. C'est comme ça qu'il prend la moto. D'habitude, quand son papa donne la moto comme ça pour aller faire une course, il venait me chercher. Ou alors on était ensemble. Directement, on donne la moto, que allez. Ou alors, quand je ne suis pas là, peut-être si je suis à la maison, peut-être on ne sait pas encore, vu c'est le matin, il vient me chercher, il dit, gars, allons, telle place. On aimait la moto, on aimait la moto, on aimait les jeux. C'est comme ça que on partait. Mais bizarrement, ce jour, on avait eu des problèmes. Je ne suis pas parti. Il part. Au lieu de s'arrêter au carrefour, n'est-ce pas, le gars vient enjoy la moto et continue. C'est comme ça qu'il fait l'accident grave avec un camion. Très grave. Deux fractures ouvertes. La nouvelle arrive au quartier. Que tel a fait l'accident. Et ma mère est sûre que je suis aussi là-bas. Parce que tout le quartier savait qu'ils sont ensemble. Moi, j'étais au stade en train de jouer au ballon. Et je ne savais même pas. Ma mère, on dit à ma mère que nous, je suis au stade, je ne suis pas là-bas. Ma mère veut me voir avec les yeux pour croire. Et elle arrive au stade en courant. Elle me voit. Elle est contente, soulagée. Même elle dit que ton ami a fait l'accident grave. Quand on arrive au lieu de l'accident, on l'a déjà mis à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, c'est très grave. Maintenant, bon, on fait ce qu'il y a à faire à l'hôpital. On va l'interner pendant des mois et des mois. Moi, je reste au quartier, de temps en temps, pas de temps en temps, chaque jour, j'allais rendre à son papa. Et son papa commençait à développer une maladie. Il dit que quand il conduit la moto le soir, quand il roule la moto le soir, tant pour moi, il a l'impression que on le verse sur la glace. Qu'il a l'impression qu'on le verse sur la glace, qu'il ne peut plus travailler la nuit. Et travailler le jour pour lui, c'était très compliqué. Du coup, il ne travaillait presque plus. Ça veut dire que tous les jours, que Dieu m'en excuse, je volais. Je veux dire la vérité, je volais le petit déjeuner chez nous pour aller le donner tous les matins avec la cigarette parce qu'il fumait beaucoup. Donc, je prenais un sachet de noix de 200, un sachet de matinale, le sucre, deux gâteaux et deux micro-beurre et puis avec même quatre cigarettes comme ça là, tous les jours. Maintenant, le soir, il y avait un mec, ouais, comme tu vois le papa là, il ne peut plus travailler. Le plat que tu donnais à son fils là, pardon, on convertit ça. Pour le père, on part lui donner. C'est pour ça que tous les soirs aussi, maman me donnait la nourriture. Bizarrement, mon papa ne dérangeait pas. Hein. On partait le donner. Tous les soirs, je partais donner. Tous les soirs, je partais donner. Un soir, j'arrive, mon frère, les yeux du pâté sont rouges. Il me dit que Péri, c'est comme ça qu'il m'appelait, que Péri, je ne peux plus lire. Les gens là ont cassé mes lunettes. Tu dis que les gens là, ce sont les qui ont retenu, ils disent que laisse seulement périr, tu ne peux pas comprendre. C'est comme ça que je peux encore voler une paire de lunettes sur mon vieux. Hein. Sur mon vieux, je ne peux pas y voler, parce que mon vieux, il ne pouvait pas partir là-bas. Donc, je ne peux pas y voler une paire de lunettes, je lui donne. Le lendemain matin, j'arrive au petit déjeuner, il est un peu bien dit que, ah, il a quand même pu lire la Bible cette nuit. C'est comme ça que moi, je pars à l'école. Je rentre le soir pour venir le rendre visite avant de continuer à la maison. Faut être couché au gazon connu. Tu connais comment le gazon gratte. Je ne sais pas comment le gazon des blancs est un peu bizarre là-bas, la synthétique, tout ça là. Mais tu connais le gazon, ça gratte, le pâté couché sur ça. Il s'enroule à l'intérieur comme un petit chou. Il dit que, mais répète, c'est quoi, hein? Il aurait dit que, pays, il y a la santé, mais verser des glaçons. Des glaçons comment? Moi, il ne voit personne. Après un temps, hein, le pâté se lève. Il tape un 100 mètres.
femme, le gars en train de taper un couloir, pas pour que je suis derrière, il crie seulement, au secours, le pâté ne fait que lancer. Le pâté lance, je cours, je pleure, je cry, man. C'est comme ça que le pâté entre dans une brousse. Les voisins commencent aussi un peu à crier. Donc l'appeler Masayo. C'est comme ça que le pâté commence. Après, peut-être que 20 ou 30 minutes comme ça, il dit que non, ça va. Moi, donc, connaissant qu'il y avait une tata, père à son âme, une tata, qui s'y connaissait un peu dans les choses là, les touristiques, tout ça là. Pardon, je vois la tata là pour dire que ouais, tata. J'ai le papa de mon ami qui souffre des problèmes mystiques, pardon, tu peux l'aider. Elle me dit que okay, le soir vers 20h, viens me prendre, on va partir. Donc, je pars là-bas vers 17h, 16h, je dis au répé. Comme tu vas là comme ça le soir, il y a quelqu'un qui va venir t'aider un peu sur des problèmes. Comme tu dis qu'il y a des gens, c'est là. Il dit que, ah, Péli, merci beaucoup. C'est comme ça que 20h arrive, je go, tu as la tata là, pour la bring chez le vieux là. Maintenant, quand on arrive là-bas, la tata me dit que non, ce qu'on va faire ici là, c'est trop high pour toi. Go à la piole. Mais ça, il part à la piole. Moi, le matin seulement, j'ai vu des échos qui sont passés. C'est comme ça qu'apparemment, pendant que la tata a walké sur elle, car son enfant s'est évanoui à la piole. Oui, hey, ça ne jouait pas. L'enfant s'est évanoui à la piole. En quittant, elle n'a même pas pu finir ce qu'elle était en train de faire. Tout ce qu'elle a pu faire, c'est lui mettre le fil d'attache. Ce qu'on walk au chantier avec, là, c'est qu'on attache le tipo couler le béton. Là. Donc, avec un clou. Apparemment, si elle est venu le porter la nuit, il allait peser comme une tonne de fer. Elle n'allait pas pouvoir. C'est comme ça que je pense que c'était un samedi que ça s'est passé. Et le dimanche matin, moi je n'ai pas. Je suis encore sur le lit. Lui se lève tôt. Il vient. Il demande à Marie que ma maman n'était pas encore partie à l'église. Il dit à Marie que Rémi, péri là. Marie me dit que non. Bon, que je suis la mère qui est là encore. Il dit à Marie que ok. Dis-lui que. Je vais lui dire au revoir, que merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Mais elle m'a dit que mais c'est normal, non? C'est ton fils aussi, non? Il dit que non. Et je veux aussi lui dire merci pour tous tes repas que tu m'as donné. Maman dit que c'est quoi? Tu voyages? Elle m'a dit que non, qu'il ne voyage pas. Que les gens là, hommes ou femmes, son cœur la nuit. Mais quand hommes ou femmes, ton cœur, comment? Tu as encore envie, tu parles. Le gars dit qu'ils ont mouffé mon cœur. Le grand maître même était là. Avec ma go, avec ma femme, ils ont mouffé mon cœur. Au matin, simplifie ça. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle go à l'église. Il go aussi chez la tata là. Tata là, pour dire aussi merci. Papa, tata là, tata ne le ressent même pas parce que, gars, le risque est trop high, man. Elle risque que elle est puissante, vient attaquer ma famille. Pas. Tata ne le ressent même pas. Comme ça qu'il bat chez lui. Quand il me réveille, ma matin, elle s'est levée chez mes petites soeurs. Que, oh, comme ça, le pâté est comme ici, mais Dios, merci pour tout. Ah, gars. Je n'ai pas moi géré ça. J'ai moi encore choix le petit déjeuner, non? Comme d'habitude, je choisis le petit déjeuner. Mais là, je google ça. On répète, il était 9h, 10h comme ça. Quand il go là-bas, mon frère, je toque. Toc, répète. Une voix me répond que non, Péri, va te reposer, je suis trop casse. Parce qu'il parlait comme ça, hein. Il parlait comme les boys aussi. Hein. Et je suis trop casse. Ah, n'est-ce pas, tout le monde, dort, il part. Sachant qu'il n'a pas chop même à la veille. Sachant qu'il n'a pas encore tout le matin, moi ça me dérangeait. Donc, je le vois encore là-bas vers 13h, midi 13h. Quand il chantait Inta par la voie centrale, il y avait aussi un raccourci qu'un pâteau savait. Tcha. On se croise dans la cour. Il me dit que, je lui dis que, ah, répète, attends, même bien. Moi, il venait comme ça pour la deuxième fois. Le matin, je suis venu ici là, il m'a dit qu'il dormait. Il dit que oui, qu'il n'a plus que Masayo est malade. Il venait lui rendre visite. C'est comme ça qu'on crie. Lui, il crie, Masayo. Moi, je crie, répète. Il crie, Masayo, il répète. Quand on tape la porte. Vu que c'était une maison en plan, on tapote un peu le mur comme ça. Une planche de sable. Ah, le pâté est pendu. Le pâté, alors, pendu comment? Le pâté est pendu que les pieds sont au sol, les man. Les pieds sont au sol. Mais la corde est attachée. Il n'a pas la babouche sur un pied. Les pieds sont sols et il n'a pas babouche sur un pied. La maison est saccagée comme si la bagarre avec moins 20 personnes. Toute la maison est saccagée.
Mais le corps transpire. Le corps transpire. Le corps du pater transpirait. Gars, c'est comme ça que personne, tout le monde avait peur de toucher le corps de quelqu'un. Un corps qui transpire, ça c'est le vie. Le corps a dormi là. Ça a dormi là. Et que la lumière était allumée. Les gens passaient en route, vu qu'il y a un la route, les gens passaient en route, les gens pensaient que peut-être le pater là seulement, c'est pas, il est là chez lui comme ça, il veut pas lui, il veut peut-être veiller. Les gens passaient très tard. Les gens ne savaient pas qu'il est mort parce qu'il n'avait pas. La corde était tellement mince, la corde, pas les grosses cordes de con qu'on attache les ABVD. Les gens qui ont la corde là, les gens là qui gardent, ça ne peut même pas supporter ton poids. Ça ne peut pas. Mais les pieds étaient au sol, c'est pour ça que ça n'a même pu tenir. C'est comme ça que le corps est resté là jusqu'au matin. C'est même pas quoi la mort, parce que le morgue avait dit que non. Parce que le morgue était venu dépasser ça, là, il ne voulait pas toucher ça. Le morgue venait dire que le papa s'est encore en vie. Ça, c'est un corps. Ça, c'est quelqu'un de vivant que nous allons enterrer. Bon, comme on ici connaissait rien, nous, on est les enfants de Dieu. Mort, c'est mort. Il n'y a pas que mort, pas, mort compliqué, mort, c'est mort. C'est mort. C'est ça que l'histoire de Dieu là est terminée. Jusqu'aujourd'hui, la maison est hantée. Personne ne peut vivre là-bas. La maison est hantée. Donc, c'était mon histoire et ce que j'aimerais dire en résumé ici, c'est que je ne sais pas. Pourquoi est-ce que certaines personnes pensent que traiter avec le diable est une bonne chose? Le diable vous donne ce que vous voulez, mais après vous allez rembourser. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans 1000 ans, vous allez rembourser. Le diable ne fait pas de crédit. Merci, DMG. Incroyable, mais vrai. Merci la fois d'avoir regardé jusqu'ici. C'était l'homme rempli d'enseignements. Que Dieu vous bénisse. Je suis au rendez-vous demain pour de prochaines révélations et des témoignages hors du commun sur notre bonne. C'est parti.